C'est un mâle ou une femelle. Joyeux anniversaire, Carmen. Du lundi 9 mai, jour de très grande tristesse. Lucie est morte d'une rupture d'intestin. Elle souffrait depuis 3 semaines. Carmen, maman finie. Lucie morte. Arrête, Carmen. Carmen. Reviens ici, Carmen. Seulement ce bidon, c'est dangereux. Carmen, c'est jour de me fâcher. Carmen, c'est impossible. On se calme. Voilà. Alors, je vous présente Keiko. Entrez. Keiko vient nous rejoindre. C'est Zach, Naima et Carmen. Je vous laisse faire connaissance. Keiko, Sambon, Fleur. Naima, Serre, Fleur.
Donne-moi la cacahuète. La cacahuète. Donne-moi la salade. Très bien. Très bien, Carmen. Donne-moi le poisson. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donne-moi le raisin noir. Très bien. Carmen, tiens. Tiens. Oui. Tiens. Non, il n'y a pas. Écoute, j'ai une question à te poser. Tu la trouves comment, Keiko? Bien. Alors, je répète la question. Tu aimes Keiko? Keiko. Fleur, oui. Vous faites un bon travail. Bon travail. Keiko, oui. Sérieuse, oui. Trop sérieuse. Keiko. Pas assez, oui. Chatouille. Oh. C'est son style. C'est son style. C'est quoi le style de Carmen? Le style de Carmen, c'est qu'elle est championne au Pac-Man. Voilà, très bien. Bien, bien. Ouais, bien, Carmen. Let's examine the stones selected by the chimpanzees of Bosu. Two types of stones are selected. As you can see, the palm oil nut is placed on the broad and crushed with the other. Unlike humans, there is only a small majority of right-handed chimpanzees. In their natural habitat, no one has ever seen bonobos fishing for insects or using stones to crack nuts with. Now you know that as well as I do. There can only be two explanations for this. Either, their habitat does not require them to use the cognitive faculties they possess, or those faculties are peculiar to domesticated apes. It's a pity that Carmen isn't here to give you the right answer. Carmen is a very talented bonobo with a gift for conceptual learning. She masters more than 250 signs, and she can combine them. Yet she's hopeless at cutting tools. Stones are of no interest to her, even if she is, as you call it, domesticated. She was born amongst humans. Sorry, she was raised amongst humans. She could have taken advantage of her mother's skills. She might have learned from Naima's example, but no, she's a modern girl
And I suppose she prefers intellectual to mental pursuits. Video game company contacted us. How about you? No. They wanted to buy the right to the language mat. They devised a whole set of games to go with it. They tried that with Jennison. She threatened to send her gorillas on them. Much too precious. One of these days, we should combine our laboratories. Joint Charter, Mutual Finance, International Recognition. The United Nations for Apes. J'imagine le débat. Débat? Ou Eba? Looks like our eggheads have made up their mind. How about you, Johan? Me? Uh-huh. Un article à finir. Pardon, moi, je suis ici. Ah, yes. Bonne nuit. Madame. Good night. Merci, merci. C'est comme une consolation. Vous faites quoi aujourd'hui? Le test de reconnaissance par image. Ah, très bien. Elle l'a déjà réussi. Ça va bien se passer. Je l'amène le livre? Carmen? Carmen, tu es prête? On va commencer. La photo de l'orang-outan. Très bien, Carmen. Go here. Oui, c'est ça. Très bien. Bonobo?
Reviens à la page, Carmen. Très, très bien. Très bien, Carmen. Et lui? Tu le connais, lui, Carmen? On continue? Il y a Eva, ce qui va pas. Dis-moi. Hein? On était là. On travaillait. Qu'est-ce qu'il y a? Un fait psychique. Ça nous paraît difficile à penser, mais... Tout est effacé. Tout l'acquis, tout ce qu'elle a appris depuis son enfance, disparu. Perdu dans un trou noir. Définitif? Observer au lieu de spéculer. Et si c'était nous qui avions changé? Et qui réagissait à nous? Je crois plutôt qu'elle a subi un choc affectif. Un choc affectif à cause de l'un d'entre nous. À cause d'une trahison. Une trahison. Elle l'aura ressenti très fort. Pour eux, trahir quelqu'un, c'est peut-être trahir notre groupe et la communauté des bonobos. On vit ensemble depuis tellement longtemps. Absolue.
Tiens. Carmen. Carmen. Tiens. Carmen. J'aimerais bien qu'on me réponde, mademoiselle Carmen. C'est fini la comédie. Je ne joue plus là. Hein? Si Lucie était là, elle te foutrait une raclée. Tu te souviens de Lucie? Hein? Tu te souviens de Lucie? Où est Lucie? Tu l'as oubliée? Des têtes de mule comme toi, Carmen, ne m'intéressent pas. Si Carmen, demain, ne pas parler... Non. Si demain, Carmen, ne pas parler, demain, Carmen, partir. Oui. Fini, Johan. Fini, Zach. Fini, Eva. Non. Vas-y, Naïm. Oui, là. Oui, c'est bien. Allez. Oui. Vas-y. Là. Bravo, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien. Carmen, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Allez, Carmen, on va se remettre en place. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Allez, viens. Allez, au travail. Là. Là, ici. Là. Hein? C'est notre tomate. C'est bien. Carmen! Carmen! Vite! À la voiture! C'est bien, mais c'est seulement au cas où. Carmen, viens là. Vas-y.
comprends pas, elle était là. Carmen ! Carmen. Vous, non. 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 Vous, vous revenez demain. Hors sujet. Liste d'attente. Vous, on vous rappellera. Vous, non. Brillant, mais pas assez. Et vous, non. Monsieur Mercier. Vous, vous n'avez pas été retenu.
Un bipède, grand singe anthropoïde. Femelle, jeune, au visage sombre. Pourrait être un pantroglodyte, bien que les attaches, les mains, les pieds soient d'allure trop gracile pour un chimpanzé. Les oreilles sont presque aussi larges que celles d'un gorilla-gorilla. Et les jambes sont beaucoup trop longues pour un pantroglodyte. Bref, identification de l'espèce à déterminer. Une femelle jeune, entre 9 et 10 ans, bon état général, belle dentition, de la boue un peu partout, une blessure au bras. Blessure superficielle, 4 cm, stylet corsure. Sur un des deux côtés. Pas de panicus? Hein? Pas de panicus? Un bonobo? Bonobo? On ne peut répondre que par oui, non ou je ne sais pas. J'aime les revues techniques. Oui. Je crois que j'aimerais beaucoup le travail d'archiviste. Non. D'habitude, j'ai chaud aux mains et aux pieds. Non. Je ne dis pas toujours la vérité. Non. J'aime la poésie. Non. J'ai peu affaire à ma famille maintenant. Non. Il m'est difficile d'accepter les compliments. Non. Mon patron est indulgent. Non. Il me met parfois en colère. Non. J'ai bon appétit. Oui. J'aime les revues techniques. Oui. Je crois que j'aimerais beaucoup le travail d'archiviste. Non. D'habitude, j'ai chaud aux mains et aux pieds. Non. Je ne dis pas toujours la vérité. Non. J'aime la poésie. Oui. J'ai peu à faire à ma famille maintenant. Non. Il m'est difficile d'accepter les compliments. Non. Mon patron est indulgent. Non. Il me met parfois en colère. Non. J'ai bon appétit. Oui. Ouais. On doit être une dizaine, ils ont parlé de 3 opportunités.
Exact. Ouais, nouveau marché, ça ne veut pas dire des créations de postes. Faut pas rêver. Non, mais Anderson et Anderson, ils font la loi. 40% de part majoritaire, mon vieux. Il n'y a pas photo. Ouais, bon, enfin, tu vois, en ce moment, avec Myriam, là, on ne peut plus attendre. Tu vois, les crédits pour la maison, c'est... Ça prend à la gorge, quoi. Donc, si tu peux faire ça pour moi, moi, je n'oublierai pas. D'accord? Et puis... Quelle chaleur. On baise ? Ma femme est partie avec la panda et j'ai une course urgente à faire. Combien de temps? Ça sera rapide, Charles, avant midi. Prenez le break. Merci. Ça vous dérange pas? Non, commencez pas à faire des histoires, on sait bien que j'aime pas ça. Avant midi. Avant midi. Une balade. Viens. On est entre amis. Pourquoi tu me suis comme ça? T'as faim? Oula, doucement. Doucement. Calme, 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 calme.
Moi, j'y connais rien au singe. C'est pas ma branche. Si je te parle, c'est simplement que je me dis que tu dois me comprendre un petit peu. Les chiens, d'habitude, ils comprennent. Tu vas voir. On arrive. Regarde, voilà. Patience. Tu vas voir, c'est super chouette. J'y venais quand j'étais gamin, avec mes cousins et mes cousines. T'arrêtes de me suivre. T'as mieux à faire. Pas que tu restes près des pavillons, là, à traîner. Va t'arriver un malheur un de ces jours. Un autre, il t'aurait tiré déjà dessus comme un lapin. Les gars dans le coin, ils font pas la différence. Canarde. Et après, pose des questions. Chasser progrès, ils appellent ça. C'est là. Vas-y, tire-toi, vas-y, là. Vas-y, va vers la forêt. Pierre, tu veux manger un truc maintenant? Viens voir. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, j'en sais rien. Arrête, arrête. C'est un singe. Rien. J'en ai d'autres, hein. Ouais. Des rouges. Arrête tes conneries. Fais gaffe, s'il te plaît, merde. Il y a un bébé dans mon ventre. Regarde. Myriam, fais gaffe. T'as senti? Elle a bougé. Fais attention quand même. Fais attention avec le ventre.
Monsieur Mercier, on voulait vous revoir pour vous poser une dernière question. Vous répondez en toute liberté. Est-ce que Monsieur Falaise est un de vos amis? On a travaillé ensemble chez Paul & Paul. À part ça, voulez-vous toujours être des nôtres? Oui. C'est parfait. Vous commencez lundi. Nos services juridiques établiront votre contrat en fin de semaine. Je suis très heureux. Bienvenue chez Anderson et Anderson. Bravo, mon amour. Demain, je pars tôt et je rentre tard. Chanel me tiendra compagnie. Un Chanel. On fait plein de trucs chouettes toutes les deux. T'as trouvé ça? Attends, ma chérie, on jouera avec ça tout à l'heure. Ouais. Je vais regarder les choses de prénom. Là. Tiens, allez, ma chérie. J'ai croisé le voisin. Il s'est fait cambrioler ce matin. T'as rien vu? Non. Fait des rondes avec ses chiens. Et toi, t'as fait quoi? On a tué 165 monstres avec Chanel. Enfin, c'est plutôt elle. T'es nouveau? T'es sorti?
qu'elle parle. Elle n'est pas encore née, tu veux qu'elle parle? Mais non, Chanel. Moi, je dansais avec les dauphins. Putain. Ah. J'avais oublié ce que c'était. J'étais avec elle. Les chiens du voisin ont mangé la clôture. Le poil de Chanel a commencé à se gonfler. Et elle a commencé à être nerveuse. J'ai fermé les rideaux. Elle ne me lâchait plus. Elle montrait la pochette du jeu, son index sur un signe. Deux triangles. L'un des chiens s'est mis à hurler. Il avait dû la sentir. Et plus je la voyais, plus elle me montrait le signe. C'est là que j'ai compris. T'as compris quoi? Attends. Les chiens sont partis. J'ai cherché d'autres signes. J'ai pris la boîte de cornflakes. Là, le rond. Elle m'a rapporté une tasse avec la lune. Et puis là, le serpent. Elle courait, puis elle voulait ouvrir la porte. Elle parle, elle parle. Chanel parle. On vit avec un singe qui parle. Depuis des jours, et on ne le savait pas. Et elle a dû nous dire plein de trucs qu'on n'a jamais compris. Myriam, les singes ne parlent pas. Ou alors on vit chez Walt Disney. Moi, je m'appelle Pluto et toi, Minnie. Mais la porte, la tasse, les chiens, elle m'a dit qu'elle avait peur des chiens. Écoute, pure coïncidence, tu veux aller à la mer dimanche? Tu t'intéresses pas aux autres. Pas pour toi. C'est froid. On rentre. On y va? Elle a l'air sympa. C'est une chimpanzée? Un bonobo. Ça va finir par vous coûter cher. Je peux? Oui, si vous voulez. Carmen? Arène? C'est où Arène? Un peu plus au nord. Il y a des cartes au fond. Prenez-en une. Regarde, c'est là d'où tu viens. Merci. Chanel, ça te va aussi? Tu préfères Carmen? T'as l'habitude? Ça va? Je voudrais dormir. Elle a raison, t'es pas très gentil en ce moment.
des stress. Est-ce que je peux avoir une minute de tranquillité dans cette foutue baraque? Attends, mais c'est quoi ton problème? T'as un boulot, une femme qui t'aime, une guenon qui te vénère, un futur enfant. Attends, la vie te sourit, souris avec elle, au lieu de faire la tête. J'ai besoin d'humanité. Tu comprends? Je comprends pas. C'est pas grave. Je t'aime. Et toi, pousse-toi un peu. Va au bout du lit. Allez, viens, Chanel. C'est un rabat-joie. Viens. Misanthrope. Je crois que je commence à avoir du lait. Je peux toucher. Excuse-moi. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Une caresse aussi. Je pars 2 jours. Mission dans le nord à la maison mère. Ça ira toi? Ouais, ouais. Tu sais que je peux demander une dispense pour raison personnelle. Attends, même si tu voulais, tu pourrais pas. Tu viens d'être embauché, il comprendrait pas. T'inquiète pas. J'ai vu mon gynéco, il m'a dit qu'il est pas prêt de descendre. D'accord. Je t'aime. Je t'embrasse. Moi aussi. Chanel? Chanel? Carmen? Chanel, tu es là? Chanel?
Regarde ça, Carmen, regarde. Le port d'Anvers. C'est par là que t'es arrivé, hein? T'es arrivé en bateau, c'est ça? L'Afrique. Comme une clandestine, hein? Tu sais, je pouvais pas te garder. Puis t'es mal tombé avec moi, t'es vraiment mal tombé. Cadre. Je suis Anderson et Anderson, c'est pas vraiment, tu vois, je suis pas spécialiste d'un animal comme toi. En même temps, je te parle. Je sais pas ce que tu m'as fait, toi. Carmen, attends, cache-toi. Cache-toi, là. Non, laisse tomber. Non, reste tranquille, Carmen. Reste tranquille. Merde, merde. Oh putain, merde. Ça y est, là, c'est fini. Attends. Attends, il me laisse tranquille. J'y crois pas. To yours. Okay. Oui, c'est merci. Non, ça va pas, là, je suis couché avec 42 fièvres. Oui, je sais, j'aurais dû. Écoutez, dès que le toubib est passé, je vous rappelle. Merci. J'y vais. Au revoir.
het leven aan 11 vrijwillige brand. Ja, maar Brazilië die gaat profiteren. En niet de kleine ontwikkelingslanden. Moins fort. Bij de plaatselijke bevolking groot. Dat bleek gisteren. Moins fort. Carmen. En die regel eenmaal aan land een stuk minder krachtig was geworden. Met windsnelheden tot nauwelijks 160 km per uur. Heel wat. Un message. Je te demande 2 heures de patience. Carmen, on y va. Zidis, Dieu ne me nous va. Werwerstrasse. Werwerstrasse, a priori, ça devrait être dans le coin. Werwerstrasse. La perpendiculaire. On a fait du chemin? Je ne sais pas. Je suis passé à votre fondation. Les murs sont encore debout? Oui. C'est bien ici. Je n'ai que le premier. Au-dessus, c'est un couple de réparateurs de machines à café. Pleurer. À 30 ans à vivre avec des bonobos, j'ai appris à accorder plus d'importance aux yeux d'un visage qu'à ce que disent les lèvres. Les dernières semaines n'ont pas été faciles. Facile? Ma femme est sur le point d'accoucher. Ah. Félicitations. C'est pour ça que vous vouliez m'abandonner, Carmen? C'est où l'enfant ou elle? C'est plus compliqué que ça. Allez, un peu de courage, monsieur Mercier. Ce qui va être compliqué, c'est de consoler Carmen. Car on dirait qu'elle vous aime beaucoup.
Vous n'imaginez pas à quel point vous avez lui brisé le cœur. Alors aidez-la. Dites-lui que vous aussi, ça vous peine de la laisser. Peut-être que ça sera moins compliqué. Vous tenez à elle. Vous n'auriez pas fait tous ces kilomètres si vous ne teniez pas à elle. Vous avez pris des risques pour elle. Alors, nom de Dieu, essayez de lui parler. Dites-lui, je ne sais pas, que c'est triste, mais que la vie continue. Il ne faut pas s'arrêter à la peine. Que vous êtes en colère aussi. Promettez-lui que vous vous reverrez un jour. Dites-lui, je penserai à toi, Carmen. On se reverra, je ne t'oublierai pas. Excusez-moi. Qu'est-ce qui va lui arriver? Vous pouvez la prendre? Ici? Je ne pense pas, non. Quelqu'un peut s'en occuper? Oui. Un labo pharmaceutique où elle subira biopsie sur biopsie. La science, tout ce qu'elle a appris? La recherche. C'était de la recherche. Du temps perdu. Désolé, mais c'était impossible. Je me suis battu toutes mes forces pour la ramener à la berge. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Hein? Elle a paniqué. Il y a ce chien qui est sorti du sous-bois, et puis elle a sauté dans les temps, et puis après c'était trop tard. Tu comprends? Tu veux dire? Elle a coulé comme une ombre. Myriam. Myriam. Myriam, qu'est-ce que tu... Myriam. Myriam. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez déjà? Bonjour. Je suis votre nouvel assistant. Bon, au travail. L'open day est un jour où on peut tous se parler à cœur ouvert,
sans respect de la hiérarchie. Vérité d'un jour, oubliée le lendemain. Qui commence ? Gab, depuis 3 ans, je prends mon premier café avec toi. Ensemble, on a résisté à 2 plans de restructuration. On a engrangé 3 milliards d'euros. Ensemble, on a fait virer Loulou. Et chaque jour, je me dis qu'il est beau. Qu'il est brillant. Gab, tu m'obsèdes. Tu as le plus sexy well done du bureau. Gab, puisque c'est l'open day, peux-tu passer une nuit avec moi? Évidemment, ta femme n'en saura rien. Attention, Sandy. Tu ne connais pas mes pratiques secrètes. Je prends le risque. T'es sûr? Mon patron. Mon divin directeur. Si tu étais une chanson, tu serais Requiem pour un con. Ça commence fort. Si tu étais une fleur, un tournesol qui se tourne vers la dernière tendance. Si tu étais corse, tu serais toi-même. Et si tu étais un produit d'entretien, tu serais à la cire d'abeille. Et moi, ton fidèle numéro 2, si j'étais au rayon sanitaire, je serais un déboucheur puissant. T'as laissé ça dans une poubelle. Merci, tu me déçois. Je sais pas si c'est la naissance de ton môme ou si c'est dans ta nature. Mais depuis quelques jours, t'es absent. T'es transparent. Tu dérives. T'as le blues ou quoi? Avant, t'étais parfait. Précis, compétent. Même si t'as jamais eu l'œil du tigre. Aujourd'hui, tu fais pas de la direction financière. Tu fais de l'humanitaire. C'est simple. Pour moi, t'es devenu une erreur de casting. Que j'engage Gabi à rectifier dès lundi matin en me faisant nommer à ta place. Yes. À part ça, je t'aime bien, merci. Respect. Merci, une réaction à chaud. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Arrête de bouffonner. Qu'est-ce que tu es, Mercier? Je suis un spécialiste. Ah, voilà. Ah, et quand on est un spécialiste et qu'on a une famille à gosse, mais qu'est-ce qu'on fait? Mercier. On fait pas le con, Mercier. On fait du chiffre. Du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre. J'ai arrêté de fumer. Bien, ça. Mmh. Quand? Ça va faire bientôt 6 semaines.
Ah oui. Depuis Raphaël, j'avais réduit à 3, mais là plus aucune. Zéro. Nada. C'est bien. Donc ça te manque? Pas plus qu'autre chose. T'attends quelqu'un? Et toi? Bonjour. Johan Korniewski. Mon ex-femme m'a donné votre adresse. Enchanté, Keiko. Enchanté. En fait, il s'agit d'une affaire urgente, mais ne vous sentez pas obligé. J'ai pensé vous appeler, mais voilà. Nous avons une amie commune. Carmen. Carmen a besoin de vous. Je sais, nous arrivions comme ça, à l'improviste, mais vous imaginez bien que si on est là, c'est qu'on n'avait pas le choix. À vrai dire, vous êtes notre dernière chance. Encore une fois, je comprends très bien si vous ne sentiez aucun lien, aucune obligation envers Carmen. Vous avez déjà beaucoup fait pour elle. Bon, je crois que cette visite n'a aucun sens. Attendez. Carmen était une petite sœur, un ange qui est arrivé à un moment pas évident pour moi. Je lui dois beaucoup. Accepteriez-vous de venir la voir? Fuyoshi, il était le seul à répondre à nos appels de secours. Yokoso, irasshaimashita. Miyude ga mai shite imasu. Hystérie sei no shoujou desu. Son bras droit devant head. Une paralysie hystérique. 食事も取らないし、外界との接触を拒んで、自分の毛を引きちぎっています。 Puis elle cessa de s'alimenter. Elle refusait tout contact. Elle s'arrachait les poils. チンパンジーが悲しみで苦しんでるのを見たことはありますけれども、これほどひどいうつ状態に陥ったのは見たことがありません。 J'ai vu des chimpanzés mourir de chagrin, mais j'ai rarement vu une dépression aussi radicale. チンパンジーと同じように、 ボノボも失うということや死ぬということを知っています。そして人間と同じように最後というものを受け入れたくないのです。 Les bonobos, comme les chimpanzés, reconnaissent la perte et la mort. Et comme les hommes, ils acceptent difficilement la fin. あなたの顔を見たり声を聞いたりすれば元気が出るかとも思いましたけども、昨夜から昏睡状態でその仮説も。 Nous pensions que voir votre visage, entendre votre voix aurait pu l'aider. Je crains que nous ne puissions vérifier l'hypothèse. Carmen est dans le coma depuis hier. Voulez-vous toujours la voir? On a fait 10 000 km pour la voir. Allons-y alors. Carmen. Carmen. C'est moi, Mercier. Carmen. Carmen. Tu m'as manqué, Carmen. Je suis revenu pour te voir. Je suis revenu pour te voir. On est là avec Myriam. Et la petite.
s'appelle Raphaël. Toi aussi, il faut que tu reviennes. D'accord? Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Réveille-toi. Je te jure, je te laisserai plus. Je te laisserai plus. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes. Petite Carmen. T'es dur avec toi. J'étais dur. Ça va aller. Ça va aller, ma petite. Il faut juste que tu te réveilles. Il faut que tu te reprennes. Vous restez avec nous. Au revoir. Au revoir. Vous restez avec nous. Abandonner ici, ce serait comme délaisser un ancêtre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Avançons, au hasard, tout simplement. On verra bien si Yacine vient à nous.
rien. Tu as une... Allez. Je te mets... Tu as... Maman.